À tous, c'est Wizberen. Aujourd'hui, gameplay compétitif contre Vibranium sur un tournoi de la French Order, First Order, bien sûr. Donc, gameplay compétitif, on va voir ce que ça donne. Vibranium, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est dans le top 10 des meilleurs joueurs du monde. Je pense vraiment que si ce gars-là pouvait faire plus de compètes, on verrait vraiment son nom plus souvent dans les premières places parce que c'est vraiment un très bon joueur. Donc on va voir le match que j'ai fait contre lui sans plus tarder. Voici la première partie. Et c'est parti pour ce premier match contre Vibranium. Que va-t-il devenir? En devenir la belle défense quand même d'entrée avec le melon. Et là, le bon contre avec le panda. Pour l'instant, assez équilibré. Quelques petits échanges de coups. Et là, le fake ball qui va être lancé, qui va être bien contré par le cerf. Là, poisson qui va malheureusement rien faire pour lui. Et là, le sanglier qui est parti. Attention, le sanglier est très dangereux. Cette carte est là, le poteau-poteau. Et le sanglier qui met pas le coup, qui pourrait mettre contre le camp. Bah, peu de chance pour Vibranium là-dessus. Et attention, le tremplin sanglier, très très fort. La fake ball lancée qui va rien faire. La défense au melon, bien joué. La mine qui va venir taper la balle. Malheureusement, pour l'instant, rien ne passe. Beaucoup d'attaques de Whisberen. Mais ça passe pas beaucoup, malheureusement. Et là, on voit le cerf. Le cerf qui va malheureusement pas réussir à défendre sur le sanglier. Très belle attaque du sanglier, 1-0 pour moi cette carte, c'est vraiment dans l'enfer, un du cancer. Le sanglier, je le déteste, c'est vraiment la carte aléatoire par excellence. Et là, heureusement que son poisson vient prendre le kangou parce que sinon c'est but. Et le poisson qui va le tenir longtemps, le kangou suffisamment longtemps pour que le kangou fasse pas grand-chose. Et là, que va-t-il faire? Ouh, la belle défense du cerf là-dessus. Le cerf. Qui va venir dégager la bonne utilisation de la boule de feu pour contrer tranquillement la présence du panda très dangereux dans cette zone du terrain, comme d'habitude. Dans un coin, c'est dangereux. Et là, le kangourou, la balle, le kangourou. Et là, la bonne utilisation de la fake ball qui va permettre au sauteur de marquer. Et là, il y a 1-1 pour l'instant. Donc là, la fake ball qui va être tirée. La fake ball, et là, la bonne utilisation de la boule de feu, bien timée, parfaitement timée. Le cerf, malheureusement, qui se pousse un peu, et c'est le 2 buts à 1. Et là, Vibranium qui prend l'avantage quand même, à 40 secondes de la fin, contre un bon joueur comme ça. C'est va être compliqué pour revenir pour Whisberen. La belle utilisation du tremplin de la part de Vibranium. Vibranium qui a une défense solide là-dessus, qui veut conserver ce but d'avance, le sanglier qui va être lancé, l'arrêt du gardien, le sanglier qui défonce tour à tour le chien, le gardien, le kangourou, sa soeur, le marcassin, et qui va encore marquer, voilà la présence, 30 minutes plus tard sur le terrain. Donc voilà, le sanglier, comment dire, bon, c'est le sanglier, quoi. Tu le lances et puis ça fait des tours par tour et ça dure 36 000 ans sur le terrain, ça a 5 d'élixir maintenant, c'est n'importe quoi, c'est la foire à la saucisse. Donc 1-0 pour Vibranium sur ce BO3. Et on se retrouve pour ce deuxième match du BO3. Et là, c'est pareil, Vibranium, que va-t-il faire? Va-t-il continuer avec son deck sanglier et poisson? Et oui, il va bien continuer avec ce deck. La bonne boule de feu qui met ensuite un autre gardien, j'ai changé, j'ai mis le tremplin. Pour essayer de contrer le sanglier. Et est-ce que cette strat va marcher? Est-ce que ça va être mieux? La bonne défense avec le chien pour empêcher que le panda le reprenne. Et là, le kangourou qui va venir, malheureusement, pas toucher le ballon. Ça aurait pu être très dangereux pour Vibranium. Vibranium qui s'en sort bien là-dessus et qui en a conscience. Mais pour l'instant, ça tient. On joue depuis 1 minute et toujours 0-0. Le sanglier qui va être lancé, le sanglier qui va rien faire du tout pour l'instant. Le sanglier qui va prendre la mine, qui va se faire tuer. La belle utilisation du kangourou pour repousser la fake ball. Le kangourou, que va-t-il faire? Le kangourou, le beau panda là-dessus. Le kangourou va-t-il marquer? La belle utilisation de la fake ball. Et là, la mine, heureusement,
pour Vibra qui explose et qui vient détruire le kangourou. Ça, par contre, c'est très dangereux. La belle défense avec le tremplin pour repousser la fake ball. Et là, la belle utilisation du panda qui va tirer, mais pas marquer, bien sûr. Et là, le panda qui va ouvrir le score. Très joli move du panda, très bien calculé. Et ça fait un 0 pour Wisberen. La frappe, attention, poisson collant qui vient marquer. Le poisson collant, tremplin, très 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 fort. Très très fort, qui peut surprendre à chaque fois. Et là, attention, là, Vibranium se la joue offensif. Avec le melon, la fable. Et là, attention, la bonne utilisation de la mine qui va péter. Et là, hop. La belle défense de Vibranium là-dessus, qui est très solide. Vraiment très solide. Vibranium là-dessus. Et là, c'est parti. Le sanglier qui va faire des tours de lui-même, qui esquive la balle. Et là, le sauteur roux. Il faut qu'il marque le sauteur roux. On l'a pas trop vu encore. Il faut qu'il marque. Allez, le sauteur roux. Vas-y, tu peux le faire, mon petit. Et là, le sanglier qui se fait jarter comme il se doit. Et là, peut-être avec le cerf. Le cerf, il va rien faire, malheureusement. Et là, la fake ball lancée. Un petit combo avec la mine qui va rien faire du tout. Et là, que va-t-il faire? Là, ah, petit misplay, la boule de feu de Vibranium. Et là, bien joué de la part de Beren là-dessus, qui malheureusement va manquer un peu de chance. Et là, voyons, que va-t-il se passer? C'est un feu à la fois à saucisse. On voit le sanglier courir partout. La bonne utilisation de la fake ball de la part de Vibranium. Et là, peut-être le but du cerf. Et oui, poteau rentrant du cerf chasseur. Bien joué de sa part. 4 secondes de la fin. Et la victoire pour BRN, sans doute. Et oui, la victoire pour BRN qui revient un partout dans ce DO3. Ah là 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 là. Mais quel match, quel match, quel match déjà. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises dans ce troisième game. La troisième game qui a pas mal de surprises, qui réserve encore pas mal de surprises, je vous le garantis. Et là, tout se joue sur cette game, tout se joue sur cette game. Et là, j'ai changé de deck. Je pensais qu'il allait changer de deck, mais malheureusement, il n'a pas changé de deck. Et à partir de là, j'ai compris que ça aurait été, que ça sera très compliqué de rivaliser contre son deck. Le mien craint énormément le sanglier. Il se fait détruire par le sanglier et le poisson aussi le détruit. Parce que ouais, rusé en art, ça se fait détruire par pas mal de choses, malheureusement. Et là, le poisson qui va venir, mais bien, bien belle défense de Whisperer là-dessus. La panda fake ball qui est très très fort toujours. Hein. Et là, pour l'instant, ça tient bien côté Whisperer. La belle passe, la belle défense au melon pour venir anticiper. Et là, oh, dommage que le panda ne reste pas une seconde de plus. Ça aurait permis, je pense, à d'ouvrir le score, mais pour l'instant c'est assez équilibré, il y a un partout, c'est assez équilibré. Et là, la belle défense du poisson collant qui va venir empêcher le rusé renard de jouer. Et là, pour l'instant, bien plus équilibré. La mauvaise passe du tanuki, malheureusement, qui est pas dans le bon timing. La fake ball utilisée par Vibranium, la fake ball qui va être renvoyée. Renvoyé en arrière grâce à l'aimant. Et là, le chien qui cherche du soutien un peu, il n'en obtiendra pas. 1 minute 30 restante, et là, on voit toujours 0-0 dans ce dernier VO3 qui est serré, qui est tendu, vraiment tendu. Le mini-tanuki qui va être lancé avec la boule de feu pour péter le gardien, non, ça ne suffira pas. Et là, attention, bien défendu avec la mine, attention à ce sanglier, oulolo, le poteau qui va venir, et là. Peut-être le but, non, toujours pas. Toujours pas. Hop, et là, la fake ball bien timée. Et là, malheureusement, le panda qui réussit à se tourner. Et malheureusement, Vibranium qui va marquer le but. Et là, l'explosion sur le gardien est heureusement bien tanké. Et là, peut-être avec le rebond, le melon qui sort. Et là, encore peut-être. Et encore une défense de Vibranium. Vibranium très fort défensivement. Et là, malheureusement, le mini tanuki. Qui va préférer prendre la fake ball plutôt que la balle alors que la balle était à 2 mm? Et malheureusement, je prends le deuxième but sur ça. Et là, la messe est dite. Les carottes sont cuites, comme on dit malheureusement. Vibranium a très bien joué, très bien défendu. Il n'y a rien à dire, il a été meilleur sur ce match. Mais vous verrez que c'est pas encore fini. Il reste 20 secondes, c'est pas encore fini. Il peut se passer beaucoup de trucs en 20 secondes.
Mais rattraper deux buts d'écart un joueur de qualité comme Vibranium, c'est compliqué. Mais je vais quand même réduire le score et sauver l'honneur grâce au Panda. Mais malheureusement, je pense pas que ça va suffire. Le rusé renard peut-être avec une douille à la fin. Et non, ça passera pas à cause du tremplin. Bien joué à Vibranium pour ce match très intense, très 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 bien joué de sa part. Il a été solide de bout en bout. Ça a été un beau match compétitif, franchement. Vibranium a été solide en défense et a su bien contre-attaquer et bien. Il a été patient, plus patient que moi. Il a mieux joué. Et malheureusement, sur aller à la fin, peut-être le misplay, j'envoie un peu trop loin mon chien. Ou malheureusement, il prend pas la balle ou je la vois un peu tôt. Fallait que j'attende un peu plus. Mais voilà. Bien joué de sa part, c'était Wisberen pour vous servir. Bien joué Vibranium, beau match. Et sur ce, à la prochaine pour d'autres matchs compétitifs.